Quotient de réaction, constante d'équilibre, exercice. Exercice 1. Donne pour chaque équation l'expression des quotients de réaction. Donc, on prend en considération les substances solubles. Pour la première équation, toutes les substances sont solubles. Deuxième équation, on a l'eau qui n'intervient pas. Troisième équation, on a le fer solide qui n'intervient pas dans l'expression des quotients de réaction. Et pour la quatrième équation, on a l'eau qui ne va pas intervenir alors que les autres substances intervient dans l'expression des quotients de réaction. Exercice 2, écris les équations de précipitation puis de dissolution de l'hydroxyde de cuivre 2, CuHO2, dans l'eau. Donc on a la réaction de précipitation, c'est l'inverse de la réaction de des solutions. Les ions s'assemblent pour former un solide et la dissolution c'est l'inverse. Un solide ionique se décompose en des cations et des anions. Les charges, on a parlé des charges lors des cours. On sait que OH porte une charge moins, multiplié par 2 ça nous donne 2 charges négatives. Donc, le cuivre doit porter 2 charges positives. Quelles sont les expressions des quotients de réaction associées aux équations précédentes? Quelles relations existent-elles entre ces deux quotients? Donc, les quotients de réaction de précipitation et quotient de dissolution. Donc, la relation qui les lie sont l'un des quotients et l'inverse de l'autre. Exercice 3, détermine les équations de réaction. Donc, pour le quotient de réaction, on a les produits sur les réactifs. Donc les réactifs sont ceux qui se trouvent en dénominateur. Donc ça nous donne, donc c'est les nécessaires, on doit ajouter des trucs tels que les coefficients de précipitation, les coefficients de proportionnalité. La même chose pour la seconde équation, produits réactifs. Même chose pour la troisième, mais là il manque quelque chose. C'est l'eau qui n'intervient pas dans le quotient de la réaction. Comment le déterminer? On commence par écrire ce qu'on a. Réactif, produit. Bon, on compare en nombre d'atomes, etc. Là on a deux carbones. De l'autre côté, 2 carbone, 2 oxygène. Là, on a 2 oxygène. L'hydrogène, on a 1. Et de l'autre côté, on a 3 plus 3. Donc, l'équation n'est pas équilibrée. Donc, on déduit qu'il faut ajouter de l'eau. Là aussi, on déduit qu'il faut ajouter quelque chose. On pose cuivre dans l'aluminium. On constate que les charges, par exemple, ne sont pas équilibrées. On équilibre. Et après, on équilibre en atomes. On a deux cuivres, donc de l'autre côté, on doit avoir deux cuivres, etc.
Ex-4, l'acide ascorbique, C6H8O6O, vitamine C, présent dans de nombreux fruits, est un acide au sens de Brønsted. Quelle est la formule de sa base conjuguée? Donc la base, l'acide dans sa base en libérant un H+. Donc on va ôter un H+. En ôtant un H, il nous reste 7 et le plus va nous donner un moins ici. Donc la base conjuguée, c'est 6H7O6 moins. Dans l'état initial, une solution aqueuse de volume V égale 100 ml contenant 10 millimoles d'acide ascorbique, 10 millimoles d'ion ascorbate, 10 millimoles d'acide éthanoïque et 10 millimoles d'ion éthanoate. Le système évolue dans le sens de la formation de l'ion ascorbate. Donc l'ion ascorbate, c'est la base de l'acide ascorbique. Question 1, écrit l'équation de la réaction acide-base. Basique. Donc, au cours de la réaction acide basique, il y a transfert d'un proton de l'acide ascorbique vers l'ion éthanoate. Ça nous donne l'ion ascorbate et l'acide éthanoïque. Question B, calcule le quotient de réaction lorsque l'avancement est égal à 1 millimol puis 2 millimol. Que conclues-tu? Donc le quotient de réaction en avis complémentaire, produit sur réactif, il faut déterminer les concentrations. Une étude quantitative et simplifié par l'utilisation d'un tableau d'avancement. On a 10 millimoles, j'ai pris les quantités de matière en millimoles. Donc 10 millimoles au départ, toutes les substances ont la même quantité de matière au départ. À un certain moment, on aura 10 moins x, etc. Et là, on a des produits, donc ils s'ajoutent. On a 10 plus x, alors que les réactifs diminuent. 10 moins x. Donc le quotient, donc là, normalement, on doit convertir les concentrations en moles par litre. Mais puisqu'on a les mêmes coefficients, les unités vont se réduire. De même, on a les quantités de matière sur le volume qui nous donne les concentrations. On a un volume au carré là et un volume au carré là qui sont réduites. Donc, en fin de compte, on a un QR pour 1, pour x égale 1 est égal à 1,49 et pour x égale 2, on a 2,25. Que conclues-tu? Donc la valeur des quotients de réaction augmente avec l'avancement de la réaction. On est passé de 1 à 2 et le quotient de la réaction a augmenté. Exercice 5. Une solution de volume V contient dans l'état initial 1 millimol de chacun des espèces suivantes: acide benzoïque, éthanoate de sodium, benzoate de sodium, acide éthanoïque. Le système évolue dans le sens de la formation de l'acide éthanoïque. Écris l'équation de la réaction. Donc, on a une réaction acido-basique. On le répète, il y aura un transfert de H+ de là vers l'ion éthanoate.
Question 2. Établir le tableau d'avancement de la réaction. Donc, on a un tableau à peu près égal, similaire au tableau de la réaction précédente. Là aussi, puisque les coefficients sont tous égaux à 1, j'ai pris les quantités de matière en millimoles. Normalement, on doit les prendre en moles. Donc, réactifs qui vont diminuer et les produits qui vont augmenter. Donc, on a 1 plus X. Il y a production de l'acide éthanoïque. Donc, il augmente. Alors qu'il y a diminution de l'ion éthanoate. Donc, on a un moins. Exprime la constante d'équilibre en fonction de x équilibre dans l'état d'équilibre. Donc c'est à peu près la même chose que l'exercice précédent, sauf que là on va prendre l'état d'équilibre. Donc on a la constante, les concentrations sont à l'équilibre, donc ils ont le même coefficient, les unités et les volumes vont se réduire. Les quantités de matière, on les prend directement des tableaux d'avancement. Quantité de matière des réactifs, c'est 1 plus x sur x équilibre, 1 plus x équilibre. Pour avoir les concentrations, on divise par V. La même chose là. Quantité de matière, on divise par V pour avoir les concentrations. Donc les volumes vont se réduire ainsi que les unités. Donc j'ai pas à modifier l'unité. En fin de compte, on a 1 plus x équilibre au carré sur 1 moins x équilibre au carré. Question 4. Sachant que la constante d'équilibre vaut 4, détermine la valeur de x équilibre. Donc on a k est égal à 4. On remplace 4 est égal 2 au carré est égal à ça. On peut rassembler le tout et le mettre sous carré. Pour avoir les x, on va prendre la racine carrée de deux membres de l'égalité, ce qui nous donne 2 est égal à 1 plus x équilibre sur 1 moins x équilibre. Si on n'avait pas cette possibilité de carré carré, on devrait résoudre une équation de deuxième degré. Et je pense que vous savez comment faire. On cherche le delta, puis les solutions sont moins b plus ou moins delta sur 2a. On trouve deux solutions qu'on va utiliser. L'une d'elles sera éliminée, ou bien elle sera négative ou pour une autre raison. Bon, là, on a quelque chose de simple, puisque on a carré carré. Bon, on sort le x équilibre et on trouve qu'il est égal à 0,33 millimoles. Question 5. Calcule le taux d'avancement final de la réaction. L'expression de taux est x équilibre sur x max. Puisqu'on a un mélange stoichiométrique, le x max est égal à 1 millimole. Bon, sinon, on peut le déterminer à partir des tables d'avancement en écrivant les quantités de matière des réactifs est égale à 0 et on déduit la valeur de x max. Et on remplace x équilibre c'est 0,33, x max c'est 1, ce qui nous donne 0,33, soit 33%, c'est-à-dire le 1 tiers des réactifs se transforment. Les deux tiers ne se transforment pas.
Question 6. Quelle est en quantité de matière la composition du système à l'état d'équilibre? Bon, on a la constante d'équilibre. Il suffit de remplacer dans le tableau d'avancement. Je vais y revenir. Voilà. Il suffit de remplacer le x équilibre là. On a 1 moins 0,33. Et là, on a 1 plus 0,33. Ça nous donne le bilan de matière à l'équilibre. Exercice 6. Une solution aqueuse de volume V est égale 100 ml est obtenue en apportant les quantités N1 est égale 1 mmol de méthylamine, CH3NH2, et N2 est égale 1,50 mmol de chlorure d'ammonium, NH4Cl. Sa conductivité à 25 degrés vaut 210,5 millisiemens mètre moins 1. Question 1. Écris l'équation de réaction entre le méthylamine et l'ion ammonium. Donc, on va avoir une réaction acido-basique, c'est-à-dire un transfert d'un proton H+ de l'acide vers la base. Le chlorure d'ammonium est l'acide, le méthylamine est la base. Donc on aura un transfert de H+ de NH4+ vers CH3NH2. Donc, comme j'ai dit, on a le chlorure d'ammonium, donc l'ion chlore est un spectateur, il n'intervient pas dans la réaction chimique. On a le transfert, on va ôter un H plus là, il nous reste NH3. On l'ajoute là, on aura NH3 et le plus, ce qui nous donne CH3NH3 plus aqueux. Question 2. À l'aide d'un tableau d'avancement, exprime la conductivité sigma en fonction de l'avancement dans l'état d'équilibre. Donc là, je vous rappelle qu'on a étudié tout ça lors des activités. Donc, il est préférable de revenir à la leçon, de reprendre les activités. Ainsi, vous serez capable de résoudre ce problème. Tableau d'avancement, on a les mêmes coefficients 1, 1, 1, 1, quantité de matière initiale 1, 1, 2. Il n'y avait pas de produit au départ. Bon, exprime la conductivité sigma en fonction de l'avancement. Donc, on rappelle que sigma c'est égal au sigma des lambda i fois les concentrations xi. On a trois ions. Donc là, le chlore, même s'il est spectateur, mais elle existe en solution. Donc il participe à la conductivité de la solution. Par conséquent, il faut le prendre en considération lors du calcul de la valeur de la conductivité. Donc, il faut chercher les concentrations des trois ions. Donc, le chlore, sa concentration ne varie pas. C'est celle du départ des chlorures d'ammonium. Donc, on trouve la quantité de matière qui est 1,5 qu'il faut convertir en mol. Donc, on multiplie par 10 à la puissance moins 3 et on divise par V. D'après le tableau d'avancement, le NH4+, la quantité de matière est N2 moins X équivalent sur V. Et pour CH3NH3+, c'est X équilibre sur V. On a les expressions des concentrations, on remplace.
lambda CL moins est égal à N2 sur V, lambda CL moins fois N2 sur V, etc. Donc, on cherche la valeur de x équivalent, on va la sortir. Donc, on a pris ceux qui ont des facteurs x équivalents, on les a rassemblés d'un même côté. Ceux qui ne comportent pas de x équivalent ont été rassemblés de l'autre côté. Et on passe la partie ne comportant pas x équivalent de l'autre côté de l'égalité, ça nous donne moins n2 sur v facteur 2. On cherche le x équivalent, donc on passe le v de l'autre côté, on multiplie le tout par v et on divise par la somme des lambda. La question était l'expression de x équivalent. On ne nous a pas demandé de calculer sa valeur. 3, déduire la valeur de l'avancement x équivalent à l'état d'équilibre. Donc on a la convexité à l'état d'équilibre, il suffit de remplacer. Et il faut faire des conversions d'unités. On avait un millisiemens, on a multiplié par 10 moins 3. Bon, il faut faire les conversions des unités. Et on a trouvé un x équivalent égal à 9,5610 à la puissance moins 4 mol. Question 4. Détermine la valeur de la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, on a vu comment faire. On va prendre les concentrations à l'équilibre. Toutes les substances ont le même coefficient 1, donc les volumes vont être réduits. On a quantité de matière sur volume. On aura un volume carré là, un volume carré là, qui vont se réduire. Donc, en fin de compte, on aura x équivalent sur ça. Pour déterminer les quantités de matière, il suffit de revenir au tableau d'avancement. Et on a converti les millimoles en moles. Et la constante vaut 38,2. Question 5. Calcule le taux d'avancement final de cette réaction. On rappelle l'expression x équivalent sur x max. X équivalent, on l'a. X max, comme on l'a déterminé, on le sait depuis le tronc commun. Il suffit de prendre les quantités de matière de réactive et les mettre égales à 0 et on déduit la valeur de x max en prenant la valeur la plus petite qui là est égale 1 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on remplace et on trouve un taux de 0,956, soit 95,6%. Bon, je rappelle là, pour avoir le pourcentage, on multiplie la valeur par 100 et on ajoute le symbole de la division par 100. Donc on multiplie et on divise par 100. Donc c'est une réaction presque totale. 95% des réactifs sont convertis, donc des réactifs parce qu'ils ont le même coefficient 1. Donc 95% des réactifs ont été transformés. Donc c'est une réaction presque totale. Je rappelle que pour la réaction totale, on aura là 100% ou là on aura 1. Donc, fin, bon, on répète à peu près la même chose. Donc, si vous avez compris la notion de constante d'équilibre et de coefficient ou quotient de réaction, on ne fait que
reprendre ce qu'on a utilisé depuis l'étude des quantités de matière lors d'une transformation chimique. Donc, fin de cours.